quartier se répand partout, dans toutes les paroisses, dans toutes les sections de jeunes, dans tous les collèges. Et là, ils ont le journal des Mirillons, puis ils ont des mots d'ordre. Oui, mais vous avez oublié un bon mot d'ordre par rapport à René Lévesque. J'étais pour me dire comment vous l'avez connu. Oui, René Lévesque m'avait dit, le 24 juin 1984, m'avait dit, j'avais affaire à vous parler. C'était le premier ministre, quand même, tu sais. Donc, on s'était retiré d'un petit coin, puis là, il m'avait demandé d'être candidat. Claude Rochon, Claude, comment il s'appelle, Charon, notre fait prendre, avait volé un chose, puis là, il y avait eu une élection qu'on avait perdue, puis là, l'autre était parti, puis là, il y avait une partielle. Puis il dit, j'aimerais qu'il dise à vous, à tout le monde. Là. Il dit, j'aime à tout le monde, sauf Jean-Jacques Poivet. Il disait, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Là. Et puis, oui, je ne me prenais pas pour un autre. J'avais dit, oui, ma vie n'aurait peut-être pas été la même. Et j'aimerais ça que vous vous présentiez dans Saint-Jean. Il dit, oui, c'est bien gentil. J'ai dit, je vais y penser. Il dit, oui, viendrez souper à la maison, Corinne et moi, on va vous recevoir samedi soir. On parlera de ça. Puis là, je voyais bien que ça faisait quelques mois qu'ils m'invitaient partout. Quand le canton du Jura de Suisse est venu, là, c'était le gouvernement de la République et canton, c'était séparé du canton de Berne. Moi, je connaissais ça. La Saint-Jean-Baptiste m'avait envoyé un an au Jura, quelques années auparavant, pour voir comment il avait perdu eux autres référendums. Ils ont gagné juste le deuxième. C'était les premiers ordinateurs, ils appelaient pour ça de même, ils appelaient ça des télétypes, puis ils avaient tout rentré là-dedans là, pour être des bons organisateurs. Mm-hmm. Fait que quand ils prennent le pouvoir et qu'ils font leur indépendance, ils sont venus rendre une visite d'État au Québec. Puis il y a toujours un souper d'État. On voit ça là, avec la reine à Buckingham. Là. C'est dans la grande salle de bal du château Frontenac. Puis deux, trois occasions comme ça, ils me mettaient à table d'honneur. À côté de lui, quand même. Mais là, j'ai compris que le temps, c'est pas parce qu'il m'en a fait ce qu'il faut, c'est parce que là, c'était comme il me cruisait, là, savez, pour devenir candidat. Là. C'est comme ça qu'on fait ça. Ce que j'ai pas accepté, parce que j'ai dit que je le trouvais pas assez clair. Je me tiens effronté de dire ça. Venez, venez. Puis, vous savez, je me pose bien des questions. Ah, oh, mais voyons, monsieur Rayon. Moi, tu fais 40 ans que je m'en pose des questions. Mais ils n'ont pas tout ça pareil, c'est l'évêque. Ils disent, moi, ça me prend des réponses à un moment donné. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je regrette, mais quasiment. Tu sais, je Vous auriez pensé. Oui, dans Saint-Jacques. Je t'assure que je ne serai pas resté député. Quand je dis ça, là, c'est ça. Là, je dis, Corinne et moi, on vous aime bien. Puis elle allait dans le même sens.